Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jeff, et nous nous retrouvons pour un Let's Discover sur un jeu assez mythique, Michael Jackson Moonwalker, sorti en 1990 sur Mega Drive, un des premiers jeux de l'époque sur Mega Drive, et un des jeux quand même qui est quand même assez mythique, non pas parce que il est pas très vendu, il a pas été très vendu, mais surtout parce que ça mettait en scène Monsieur Michael Jackson, le roi de la pop. Et justement, on va voir exactement. On va mettre un level normal, pas trop de soucis. On continue. Alors, on va mettre quelques musiques, hein. Tranquille. Voilà, quelques petites musiques tranquillement. Et donc, on va commencer notre petite chose. Donc, sur le premier player start, puisqu'on peut jouer à deux personnes. On va jouer à un. Et donc, premier niveau de ce jeu, il s'agit du Club 30. Allons-y. Vous allez voir la musique, ça va sûrement vous rappeler quelque chose. Waouh. Et donc vous avez compris que c'était Front Cray maintenant. Donc de l'album Bad, je crois. Hein. Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, l'album Bad ou l'album Danger, je crois. Et donc trois boutons hein, comme Mega Drive. C pour sauter, B pour faire un petit un petit coup d'étoile qui brille. Et si on veut utiliser un combo, il suffit de faire d'avoir un ennemi par exemple, on va le faire sur cet ennemi là. Si on y arrive bien sûr, ce serait bien. Donc il faut appuyer sur A un bon nombre de temps. Et d'un coup, justement, là il va voir justement ce qui va se passer. Voilà, donc là tous les ennemis aux alentours sont attirés par Michael et donc une petite danse se fait. Et donc, on peut justement tuer nos ennemis de cette façon. Voilà, donc là, on a tué un bon nombre de personnes. Et vous avez vu qu'il y a des petites filles à libérer. Et donc, en fait, le principe, c'est libérer toutes les petites filles avant d'arriver à la fin du niveau. Donc, c'est très... En rapport avec son personnage ? Non, je rigole. Non, faut pas mentir, parce que c'est vrai que Michael Jackson, il était un peu controversé pour plusieurs raisons... Bon, on n'en parle pas parce que c'est pas très intéressant dans une vidéo, mais en tout cas, un jeu sur lui, franchement, je trouve ça... Moi qui est fan de Michael Jackson, hein, je suis fan de Michael Jackson du King of Pop, et justement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de truc. Et donc là, bien sûr, vous avez vu, vous avez entendu « Who's bad ?» Ça veut dire, en gros, là, on va voir qu'il y a un ennemi particulier. D'ailleurs, toujours le même, hein, c'est toujours le même. Alors, je ne sais pas pourquoi on a toujours le même, et tu vas voir, ça va être assez bizarre, cette phrase. On va aller voir, tout de suite. Donc, il dit... Ah, vous n'êtes avec moi. Mais attends, je suis à côté de toi, mec. Et donc, on commence. Donc, avec que des ennemis. Justement, là, on va pouvoir faire un énorme truc. Et voilà, attention. Et on y va. Une belle danse. Franchement, les musiques sont bien respectées pour un Mega Drive. Franchement, c'est assez rare que les musiques soient assez respectées. Donc là, j'ai tué tout le monde. Et puis voilà. On va libérer la petite dernière partie. Et donc, on a quand même 2 secondes d'avance, hein, quand même, sur le temps... imparti. Et donc deuxième niveau, même principe, donc libérer les petites filles des fameux prisonniers ou des fameux gangsters qui se trouvent ici. Donc exactement le même principe que précédemment, sauf que il y a des ennemis de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on avance. Donc là il y a un ennemi, c'est pas ça, je voulais voir qu'il y avait une petite fille. Elle est pas ici, petite fille, elle est quelque part ici, de toute façon, elle est quelque part. Elle est pas ici, elle est pas ici, donc elle est au fond. Michael. j'adore la voix des filles. Michael. Non mais je suis vraiment désolé si... Alors, pour savoir d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi il s'appelle Moonwalker ce jeu? Parce qu'en fait c'est en rapport avec le film Moonwalker, qui est un film qui est pas très connu, qui met en scène bien sûr notre King of Pop Michael Jackson. Il y a peut-être images qui vont arriver en petite miniature là au moment où je vous parlais. Et donc ce film assez on va dire assez bizarre parce que justement c'était assez dans l'univers de Michael Jackson, donc un peu enfantin etc, un peu dans les rêves, ce qui faisait que finalement le film n'était pas si mal et que quand même ça rendait quand même pas mal. Donc pour l'instant Michael Jackson se débrouille bien, hein, à part d'avoir trop de soucis pour
combattre ses ennemis, hein, sans jeu de mots. Donc là, on essaie de récupérer la majorité des filles. Pour l'instant, il y a quand même une bonne majorité qui est là. Alors là, hop, oh, voilà. Donc là, vous avez vu aussi qu'il y a des petites filles qui vont, enfin, des mademoiselles qui vont nous bloquer la route de temps en temps. Et donc, il suffit juste de faire un coup pour les débloquer. Donc là, on se dépêche. Donc là, normalement, la dernière petite fille se trouve en haut. J'adore quand même le pattern de Michael est quand même assez respecté. Franchement, je suis assez heureux qu'il y ait un jeu comme ça parce que c'est vrai que justement la Mega Drive justement se proposait d'avoir des jeux assez surprenants par rapport à la Super Nintendo. Et d'ailleurs c'était à l'époque où justement les jeux casual, enfin les jeux anti-casual étaient quand même assez nombreux. Et c'est vrai que ce jeu est quand même assez anti-casual quand même. Je veux pas dire méchant, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire que quand même c'était assez surprenant quoi. Et ça avait quand même le but de faire justement un jeu de plateforme qui est vraiment pas si mal que ça. Et même si on croit que pourtant les jeux de Michael, même si on a des a priori sur Michael Jackson le chanteur hein, bien sûr, mais je veux vous dire ça respecte quand même l'idée du film, hein, ça quand même respecte l'idée du film. Et justement il y a beaucoup de musiques de Michael Jackson qui sont reliées, comme vous avez vu il y avait Soft Criminal, là on va passer peut-être à un nouveau niveau je crois. Alors voilà, donc là on a terminé. Et voilà, donc dernier niveau terminé, 2 minutes 20. Donc là on n'a pas de bonus. Et on continue round 1-3 sur toujours le club Furry. Donc 3e niveau sur ce club. Et donc on va essayer de faire ce qu'on peut, bien sûr. Et donc, même principe, on va dire la même chose à chaque fois, mais c'est pas grave. J'ai quand même vous montrer le deuxième niveau, hein, un petit peu le deuxième niveau avant de terminer cette vidéo. Mais il apparaît quand même que ce jeu est assez intéressant. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, il y a également une vidéo annonce qui a été mise sur la chaîne il y a quelques jours de cela, qui vous annonce notamment le fait que je serai à la Japan Expo le 7 et 8 le 8 juillet prochain, ainsi que des choses qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Donc je vous conseille de la voir, elle est en petite miniature sur cette vidéo, et j'espère que vous pourrez la voir. Également, deuxième chose, épisode de Let's Play Sonic 2 incoming dans quelques jours. Je pense d'ici 2 jours à peu près au moment où je sortirai cette vidéo. Et justement, faire découvrir des jeux qui sont un peu surprenants justement. Et je pense que le prochain jeu que vous allez voir en Let's Play va être un jeu quand même qui va vous plaire. Parce que c'est quand même, si vous avez vu, justement il y a un indice dans la vidéo annonce. Je vous dis juste qu'il y a un indice sur le jeu que j'ai fait, mais je ne vous dis rien. Donc voilà. Également, troisième chose encore à parler sur ce jeu, c'est quand même la capacité du jeu à faire des storylines assez complètes. Et je peux dire, pour un jeu comme ça, franchement, pour un jeu de la Mega Drive de l'époque, ce jeu c'était quand même assez beau, quoi. C'est vraiment quand même assez beau au niveau du graphisme. Au niveau de la jouabilité, franchement, elle est pas si mauvaise, quoi. Elle est vraiment pas si mauvaise que ça. Et voilà, donc je pense que justement c'est un jeu qui mérite quand même d'avoir un petit coup de se mettre un petit coup de main dessus pour justement danser comme Michael. Donc là pour l'instant, on va récupérer les petites demoiselles. Voilà. Encore une demoiselle. Bonjour. Allez, hop là. Mais j'adore quand même Michael, quoi. C'est quand même les petites étoiles mignonnes, le fait que justement on récupère les petites filles. Voilà, il y a plein de trucs qui font qu'en fait l'ambiance est vraiment, vraiment très belle en fait. Attention, quand je dis très belle, c'est pas dans le but où. Alors là, il y a un chat, voilà. Et on concentre. Alors là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah merde, d'un coup je suis inquiet parce que là je trouve pas toutes les filles, en fait toutes les petites filles. C'est dommage, il m'en reste 2 là. Parce que je vais essayer quand même de vous montrer le deuxième niveau. Alors, je reviens en 30 secondes. Vous voyez quelque part, elles sont obligatoirement les filles. Donc si elles sont quelque part, elles sont obligatoirement dans le coin. Donc encore plus bas. Pour l'instant on trouve toujours pas.
Bon, la deuxième petite fille, encore une. Normalement la dernière elle se trouve là-bas. Oh non. Ah bizarre. C'est bizarre, j'arrive pas à trouver la dernière petite fille. Alors ça va me prendre un peu de temps pour la trouver parce que faut réussir à trouver, à me comprendre où je l'ai mise. Plutôt où elle est. Parce qu'elle n'est pas là. Donc si elle n'est pas là, elle est obligatoirement quelque part. Ouais, quelque part, de toute façon, obligatoirement quelque part. C'est pas ici. Ah voilà. Elle est cachée celle-là. Et donc voilà. On se dépêche. Il dit vous bête. Donc on va continuer sur le boss de ce niveau. Toujours assez. Toujours le même principe. Hein, le même mec va dire oh tu peux pas m'avoir alors que justement il est juste à côté. Voilà. Ici, donc il va dire oh tu peux pas m'avoir. Mais pourtant, chaque coup de tête, toi! Oh, mais c'est énervant d'avoir la même chose à chaque fois! Tout ça parce que c'est la même chose en fait. On a coup là, on fait la même chose. Yeah! Michael Jackson est là pour vous! Et voilà! On vient de finir. 4 minutes 26, ça a été long. Et donc, on va se diriger vers le deuxième niveau. Vous avez vu la musique. Who's bad? Et donc là, vous avez compris quelle musique c'est, si vous avez compris à peu près le beat de la musique. Et oui, c'est Bedit. Principe, hein, c'est la même chose. Hein. Donc toujours les musiques Michael Jackson, hein, toujours... Toutes les musiques de Michael Jackson sont quasiment représentées dans cette petite... comment on peut appeler ça, dans, je sais pas, des vidéos, mais peut-être ce niveau. Et c'est vraiment assez intéressant. Voilà, on vient de récupérer une petite fille. Alors, si tu peux te dégager, mon gars, mon petit loubar, ça serait bien. Un petit chien. Et putain de chien de merde. Oh là là. Voilà, hop. Parfait. Hop. Voilà. Petite fille. Il m'en reste deux, normalement. Les deux, normalement, ne devraient pas être très loin. On en a une là. Et il n'y en a pas là. Hop. Donc la dernière, elle doit se trouver quelque part. Peut-être là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Il faut que je trouve la dernière petite fille. Elle ne doit pas être très loin. Elle va pas être très loin que ça, elle va pas être si loin. Là. Voilà la dernière. Et donc, niveau encore terminé. Donc là encore, le même boss qui a dit exactement la même chose. Mais c'est pas possible, t'es juste à côté mon gars, je peux te tuer moi, merde. Bon, on continue. Donc là, deuxième danse du jeu, vous allez voir, c'est assez drôle. Pam, pam. Et voilà. Simple. Et la petite fille qui nous remercie. 69 secondes, on gagne quand même beaucoup de crédit. Et on va faire encore un niveau, un dernier niveau, avant de terminer cette vidéo. Donc round 2-2 of street. Et donc on va essayer de faire le maximum. Et donc là, vous allez voir que c'est assez différent du premier. Bon, c'est exactement la même musique par contre. Hein. Voilà, on va pas changer une équipe qui gagne. Et donc là justement, il y a des trucs assez surprenants parce que vous allez voir des petits... des petits détonateurs, comme pas là, mais. Alors, hop. Voilà, par exemple, ce genre de petit détonateur qui vous fait perdre de la vie. Exactement, remonte. Je sais que t'es pas très loin, mais bon, quand même. Il serait temps que tu te prennes pas tous les détos. Pas tous les détonateurs et de faire le maximum, car que. Ça ne marche pas, sinon c'est tout comme la 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 na na. C'est dans la musique, franchement, la musique est vraiment bien respectée. Franchement, pour une Mega Drive, c'est quand même une des points de son qui a été le plus respectée des jeux Mega Drive, parce que les jeux Mega Drive avaient justement la mâche Spani d'avoir des musiques assez bizarres par rapport aux jeux par exemple de Super Nintendo. Bon, faut dire aussi que cette licence Moonwalker a été faite que sur Mega Drive. Donc c'est tout à fait normal que ce soit un peu justement respectueux de l'œuvre originale, c'est-à-dire du film
Même si c'est un peu différent parce que quand même le film est un peu comme je vous dis dans la tout à l'heure, c'est qu'elle est assez bizarre quoi. C'est quand même un film qui n'était pas le meilleur film de tous les temps, mais qui était quand même pas mal. Enfin, pour celui qui connaît pas le domaine, ça peut être très intéressant en tout cas. Là, une fille, un détonateur, voilà, une petite fille, et voilà. La petite fille, et donc là, exactement le même mec qui fait exactement la même chose. Et pas les mêmes ennemis par contre, hein, c'est ça le truc qui change, hein, mais sinon c'est la même chose, hein, c'est exactement le même principe. Et voilà la petite fille. Et donc, on va s'arrêter là pour ce Let's Discover. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, on se retrouve dans quelques jours pour la suite, dans deux jours je pense, pour la suite du Let's Play de Sonic 2, ainsi que bientôt pour la nouvelle émission MVL. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était TGF, stay tuned.